What's up les potes et zinzins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça va... What's up les potes, c'est Zerzer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pas sur Resident Evil 7 cette fois-ci, on va faire un petit break parce que j'ai 2-3 trucs à travailler dessus. Je vais faire les DLC, vous inquiétez pas. Non, ne quitte pas la vidéo, je te vois déjà en train de regarder dans la barre de suggestions s'il n'y a pas mieux. Voilà, j'en perds mes mots. On va partir gros sur la bêta de For Honor. For Honor, c'est un jeu que j'attendais. Et là, il y a la bêta qui nous est proposée. Ça va être un petit moment, mais je peux y jouer que maintenant. D'ailleurs, bonnes vacances si toi aussi t'es en vacances. Moi, je suis en vacances. Là, ça fait du bien une petite semaine. Mais c'est pas la question, gros. C'est pas la question. For Honor, comme je disais, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. J'attendais beaucoup. J'avais vu certains gameplay qui m'avaient pas trop intéressé. Et puis là, je l'ai quand même pris en main avant d'y jouer parce que je me suis dit, il y a la chivalerie, tu vois, ça va me mettre sous tension. C'est-à-dire que si je vais pas gagner tout de suite et que je vais me faire défoncer sans comprendre pourquoi, ça va me casser les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, j'ai pris un peu le truc en main et je vois que c'est pas du chivalry. Il y a un petit peu plus de technique, des fois un petit peu trop. Mais bref, pour maintenant, prépare-toi. Donc c'est un jeu entièrement en ligne. On peut aussi jouer contre l'IA, mais c'est quand même moins intéressant. Je pense que c'est pas trop le but. Il y a vraiment tout un système. Attention, là va falloir me suivre parce que gros, tu me connais. Tu sais que quand je commence à parler un petit peu, hein, la science et tout, je sais pas quel mot, un peu stratégique, même pas. Je sais plus c'est quoi le mot, gros. Quand je commence à parler de manière un tout petit peu intelligente, bah en fait, vu que je le suis pas, personne ne me comprend. Donc suis-moi bien, mot à mot, hésite pas à repasser la vidéo quelques secondes avant. T'inquiète pas, je le prendrai pas mal. On est parti sur une espèce de conquête de territoire qui va se passer en semaine ou en mois suivant les compétitions, qui va donner un choix. On va pouvoir choisir entre la faction des samouraïs, des chevaliers ou des vikings. Et cette classe, après, elle va nous être rattachée. Ça va pas nous empêcher de jouer les autres classes, mais on va combattre pour un clan en particulier. Moi, j'ai choisi les chevaliers parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus stylés que les vikings, ces gros barbus, ou que les samouraïs, parce que je sais pas, je préfère les chevaliers à la Dark Souls, tu vois, c'est mes petits trucs qui me restent. Bref. Du coup voilà, ça va parler en conquête de territoire, on va faire des matchs à mort, nos résultats vont faire qu'on va récupérer ou pas un territoire qui va compter soit dans la semaine, soit dans les deux semaines pour montrer en fait quelle faction est la plus forte. Et là je te vois venir, et moi aussi je me vois venir, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 60% des gens qui vont choisir samouraï parce que tu sais pas pourquoi ils kiffent les katanas et les masques à moustache. C'est comme ça, et puis il y en aura peut-être un peu moins dans les chevaliers et les vikings, mais c'est pas grave, c'est une bêta, il y a encore quelques petits défauts, je pense qu'il y a une équilibre, que ça va s'équilibrer à un certain moment, je l'espère, que ça va pas faire comme The Secret World, qui est un jeu complètement différent, mais avec des factions où c'était complètement déséquilibré, bref, je commence à m'attarder, et du coup, bah, je te propose qu'on joue, alors, je te mets en garde, c'est un jeu, si tu me vois perdre, c'est possible que je devienne un petit peu tendu, mais ça restera entre nous. Promis, j'essaie de me contenir, hein, mais de l'autre côté, je sais que ça te fera rire. Alors gros, let's dance! Tu as cru que tu pourrais m'oublier? Petit con, tu ne peux pas faire abstraction. Ah putain de merde, comme vous le savez, jeu de chevalier oblige, faut s'équiper. Damn. Wesh maman. Damn. Wesh maman. Damn. Je sais que tu te moques. N'empêche que c'est grâce à ça que j'ai le pouvoir, tu vois, que la toute puissance du jeu vient à moi. D'un autre côté, c'est pas en restant posé sur ma chaise que je vais continuer de faire mes muscles, mais quand on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, putain? Vas-y, je lance, bro. Ok ma petite poulette, alors du coup on est lancé dans le jeu, ça va être du très sale. Comme tu peux le voir, on a plusieurs personnages, on a 3 classes de perso par faction. Donc au niveau des vikings, on a à chaque fois, comme dans toutes les autres classes, on a à chaque fois un polyvalent,
un lourd et un rapide, donc un chevalier, un bourrin, un assassin. Et moi j'avais d'abord essayé le chevalier, il était pas trop mal, mais j'ai acheté l'assassin et je le trouve un petit peu mieux. Pourquoi ? Parce que j'aime bien jouer assassin, c'est un petit peu plus rapide, ça envoie un petit peu plus la pâtée, et jusqu'à présent je suis pas trop dégueulasse. Pourquoi je te dis que je suis pas trop dégueulasse ? Parce que j'ai dû faire 3-4 parties, sur les 3-4 parties j'en ai gagné 3, et j'ai fini deux fois premier, donc je suis assez fier de moi. Maintenant je vais discuter pendant que je joue, parce qu'avant j'étais très concentré, avec des gouttes de sueur qui me coulaient le long du front. Maintenant je vais devoir discuter et me foutre un peu de la gueule de ceux que je bute, c'est pas sûr que j'arrive à rester aussi concentré que la dernière fois, alors m'en veux pas si je suis mauvais, voilà. Tout est dit, respecte-moi ma man, mon nougat de luxe. Oh putain, la partie elle était déjà commencée, on va devoir se faire ça dans une partie en cours, c'est pas grave, ils savent pas à quel point on est bon, ils vont bouffer comme ils ont déjà bouffé ces bouffons. Alors en fait, il y a un système, il y a des espèces de petits tétrons volants là, c'est les petits chevaliers que vous voyez ici. Et eux, ils vous régénèrent de la vie en les tuant. Donc ils vous font pas très très mal. C'est assez badass de les buter en groupe. Ils meurent en un coup. Et c'est un peu l'escouade de soutien des vrais chevaliers. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah ! Vas-y, mais bloque, fils de pute ! Ok, ça commence bien. Alors là, c'était le premier adversaire vivant qu'on a rencontré. Mais c'est pas grave, t'inquiète, c'est que le début. Il sait pas le pouvoir du casque du chevalier. Il est puissant. J'ai perdu la zone A. Je sais. Tranquille, mon grand. Arrête de remuer le couteau dans la plaie, on va remonter. Jusqu'à présent, j'étais bon, y'a pas de raison que ça change. Voilà, y'en a un qui est mort. Oh, 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 je peux soigner un des miens, j'ai jamais fait. Vas-y mon grand, reviens. Regarde, oh là là, j'ai sauvé mon pote. C'est un truc de ouf. Allez, fume-le lui. Regarde, regarde comme il fuit, regarde comme elle fuit cette petite balle fringue. Bah, fume-le. Oh là là, quelle concentration extrême. Regarde, regarde comme il fuit, il se bat. Vas-y, bâtard. Vas-y, baltringue, là. Arrête de faire genre. Oh là là, ce fils de pute. Ça, ça, c'est pas bon bail. Ça, c'est un lâche, tu vois. Il a pas voulu se battre jusqu'au bout. Moi je me bats jusqu'au bout. Vas-y, on est en train de perdre, ça pue la merde là. Début de partie pourri. J'espère que on va pas avoir besoin de mettre ça au montage. Putain, avant j'étais plus fort que ça, wesh. C'est vous, ça, vous me partez la poisse, un truc de fou, hein. Oh, faites un effort. Regarde quoi. Arrête de te la péter, gros. Vas-y, vengeance. Hop, oh, putain. Alors en gros, dans le jeu, c'est toute une technique. C'est toute une technique avec le joystick, il faut que tu le mettes dans le bon sens pour parer le coup dans lequel l'autre tape, et puis toi, tu dois taper d'un autre côté aussi. Enfin, quand je te dis que c'est toute une technique, gros, c'est une vraie technique. Regarde ce bâtard comme il fuit, là. Allez, mourir les étrons, ça me perturbe trop d'être dans l'équipe, orange. Je suis même en train de taper ma propre équipe, quoi. Hop là. Vas-y, fume-le. Viens, on le fume, gros. Par le pouvoir qui m'est conféré. Je t'adoube, fils de pute. Vas-y, réanime-le, là. Ah, il est définitivement mort, le pauvre. Mort subite, c'est magnifique. Une petite mort subite, ça veut dire qu'on va les faire bouffer, ces baltringues. Vas-y, baltringue de luxe. Oh non. Je l'ai pas vu, Je l'ai pas vu venir, bordel de chiottes. Oh, c'est la fin. Bordel, on a perdu. Putain, je suis dernier. Pff, la loose. Vas-y, ça sera pas au montage. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir été aussi mauvais.
À part ça, il y a un truc qui est très très drôle. C'est-à-dire que nous, on a des armures de bâtards, tu vois. Et tous les pignoufs qui sont avec nous, gros, ils ont un t-shirt et un vieux casque de merde. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression qu'il y a eu du budget que pour nous. Ah. Retour au menu principal, cool. Putain, en plus, je faisais une bonne blague, fais chier. Comment ça, la partie, elle a déjà commencé? Wesh, arrêtez de me mettre dans des parties déjà commencées. Bon, c'est pas grave. En plus, la map, là, elle est stylée. Je la kiffe. Ça partir en couille, c'est un vrai champ de bataille. En vrai, moi, les ambiances de ces jeux, je les kiffe trop, tu vois. Parce que c'est vraiment badass. Attends, attends, mon grand. Hop là, une petite fatalité derrière, mon pote. C'est comme ça que ça se passe. T'oublieras pas de ramasser ta tête, mon grand. Allez, c'est le moment de se faire des petites fritures, là. Hop, Jojo. Hop, André. Hop, Jean. Hop, Henri. Qu'est-ce qui se passe? Je vous ai tous fumé, putain, génie. Oh là là, il y en avait un, il m'a taclé, ce bâtard. Pendant que j'étais en train de me taper ces petites merdasses de soldats. Oh, il l'a fumé. Vas-y, fume-le. Oh là 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 là, ce que je lui ai mis dans la tête, gros. Mais ça c'est du très sale. Il a pas dû s'y attendre, ce... Il n'y a pas dû l'y attendre, ce moche. Il n'y a pas dû l'y attendre, ce moche. J'ai craché sur la langue française, gros. J'ai mangé tous mes mots. On aurait dit des Monster Munch. Il n'y en a pas un qui a réussi à s'échapper. Vas-y, fumez-les tous. On gagne, là, on gagne. C'est ça qui est bon. Attends, mon grand, c'est à ton tour d'y passer. Oh. Doucement. Ok, on va faire le lâche comme on sait le faire. Vas-y, mon grand, fuis. Fuis, mais fuis bien. Et récupère-moi cette petite zone. Allez, récupère-la, continue de courir. Magnifique, t'es un bon. Et là, tu regagnes ta vie. Oh là là, c'est toute beauté. On est en train de leur mettre une misère comme ils en ont jamais vécu une comme ça. Ok, et là, on fuit parce qu'ils sont deux et que je vais me faire latter le cul. Vous avez perdu la zone C. Oh, ils sont tous là. Prends l'échelle. Wouhou. J'ai cru qu'on n'y arriverait pas. Allez les gars, c'est le moment. Vas-y, maintenant qu'on les a attirés ici. Eh ouais, mon pote, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a plus d'endurance, on est un assassin, mais on n'est pas non plus un super-héros, wesh. Je l'ai Superman où il est. Oh non, il m'a eu. C'est pas grave, j'étais trop bon. On peut pas être bon en butant 4 mecs d'affilée. Et à un moment, on est obligé de se relâcher. C'est pas grave. Ok, tranquille, on va vider un peu la place parce qu'ils sont nombreux, là. Allez. C'est vraiment stylé, les animations Ubisoft, ils sont très très forts. Tout ce que j'ai peur, c'est que des fois, avec des bugs de réseau, etc., le jeu devienne insupportable. Ok, j'ai plus d'endurance. J'ai perdu de la vie, je sais même pas comment. Je crois que c'est parce que mon 3 attaqué, je sais pas. Ok, on est bien. On est à 1000 contre 600, vous voyez là, on est vraiment en train de leur mettre une putain de pâtée, mais comme ils ont rarement pris une pâtée comme ça. Vas-y, là, il y a tous les collègues qui vont des boules, ils savent pas ce qui les attend. Vas-y, fuis. Tu fais quoi? Comment ça se fait que tu te fais soulever, gros, comme ça? Téma, comme il est chaud. Il est en train de crier, viva les spaghettia. Ok, bon, on va leur laisser la petite zone A, hein. On est déjà à 900, mais c'est un truc de fou. Je dirais même que c'est pas possible. Comment ils ont pu remonter si vite, ces espèces de baltringues? Vas-y, fuis. Oh là là, mort subite et j'ai quasiment plus de vie. C'est insupportable. Vas-y, on va essayer de passer par là en espérant que ça passe. Et on va remonter notre vie comme on l'a déjà fait la dernière fois.
J'espère qu'il y a personne ici. Ok, 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 c'est bon. On récupère, on récupère, on récupère. Vous avez capturé la zone. Parfait, parfait, parfait. Vas-y, mort subite. Faut pas que je sois le dernier, faut pas que je sois le dernier, parce que sinon ça va faire mal. Résister, vas-y, reprends toute ta vie, mon grand. C'est bon, on va y aller. On va aider les poteaux, on va aider les poteaux. Regarde le gros là-bas. Regarde le gros là-bas. Allez! Aïe, 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 aïe. Il va nous faire un... Et spaghetti, spaghetti. Mais cours. Oh, oh. Oh, je me suis fait prendre en vrai-tle. En vrai-tle, pour pas dire le vrai mot. Faut rester poli, hein. Pas de réapparition, mais non. Oh, je me suis fait fumer. Oh, ils ont remonté. Faut pas qu'on perde. Les gars, accrochez-vous. Oh, non. Ça se trouve, c'est le casque, hein. Il me porte la poisse. Tu me diras, à chaque fois que j'ai mis ce casque, que ce soit du Dark Souls, du Chivalry ou autre, je me la suis toujours pris, mais tellement profondément, que j'en ai peut-être des séquelles, hein. Le sadomasochisme n'est pas loin. Je vomis mes mots, je ne parle plus, je vomis. Je ne communique plus la même langue que vous. Je me suis élevé à quelque chose de supérieur. Pierre Durif est passé à la maison, on a créé une petite entente là. J'étais vachement d'accord avec lui, il s'est passé des trucs, je sais pas. Des choses qui relatent du surnaturel, ma mène. Ok. On tente avec le chevalier ? Allez, on essaie, comme ça tu vois plusieurs classes. On passe un bon moment, voilà. Et si l'on perd, bon bah, qu'est-ce que je te dise d'autre ? Je saurais pas quoi te dire. Tu pourras dire que je t'ai menti éventuellement. Que je t'avais dit que j'étais quelqu'un de doué, etc. Que j'explosais des culs par pack de 36. Voilà. Des fois, le mensonge, ça arrive. C'est pour se valoriser quand rien ne va. M'en veux pas. Hello. It's me. Putain, c'est stylé. C'est dommage que ça se tape pas dessus, quand même. Ok, c'est parti. On a les couleurs de Red Bull. Si on n'est pas super énergique avec ça, je comprends plus. Bon, allez. Attention, bande de moches. C'est mal, lui, comme il s'est déjà senti super malin. Hop là, mon grand. Allez, une petite exécution. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mon grand. C'est comme ça que ça se passe, petite baltringue. Qu'est-ce que t'as cru? Que c'était chez ta mère? Hop là, le chevalier, il est déjà bien parti, là. Il est déjà bien parti pour défoncer des hucs. Vas-y, on va aller chercher le cancé. Vas-y, fuis, 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 parce que le cancé, il est bien joli. Mais en attendant, là, t'es en train de te faire démonter le huc comme Jaja. Alors, vas-y, reviens par là. Rutherloft! Vas-y, une autre exécution, redonne-moi ma santé, bébé. C'est bien ça, mon grand, j'apprécie. J'apprécie quand ça se passe comme ça. Le but, c'est de leur mettre une pâtée. Gain de niveau, ça me gratte le nez. Je joue à une main, gros, tellement c'est la puissance, elle est hâle. J'avais dit que le casque de chevalier finirait par me porter chance. J'en marre des fioritures. On va aller prendre le territoire C. Oh, j'en ai vu un passer. Il doit se dire, oh là là, lui, je vais le choper. Même pas. Il s'en bat les couilles, on est en train de leur prendre tous les territoires là. Ah non, ils ont repris le C. J'ai perdu la zone A. Vous avez capturé la zone C. Non, j'ai pris la zone C, ils ont repris la zone A. Ok, bon, on continue, gros, c'est pas la peine de venir ici. Ils vont nous piquer tous nos territoires, ces petites baltringues. Regarde lui, lui il a cru, il allait pouvoir niquer mon collègue. C'est un fou! C'est un fou! T'es un fou, gros! Très bien. Hop là, troisième exécution, bon, on est le meilleur chevalier sur cette putain d'arène de combat. Vous avez capturé la zone A. Laisse tomber, ils comprennent pas comment on va les démonter. Lui, il court, il sait pas ce qu'il attend derrière lui. Hop là, dans le dos, bah oui, gros. Et une quatrième exécution. X0 est sanguinaire, bah oui. Bah oui, il est sanguinaire, ma mère. Vous avez perdu la zone C.
Ah là 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 là, ce qu'on est en train de leur mettre cher. On a perdu la zone C, ils sont fous. En fait, le chevalier, il est bien. Putain, on a plus d'endurance, on est de moins en moins bien, là. Vas-y, on monte, on descend. Hop. Hop là, magnifique. Et franchement, on est super violent. Ça, c'est la partie qui va conclure le débat sur est-ce que je suis bon ou pas. Quand il y a l'équipe qui suit, gros, et qu'il y a le skill, et qu'il y a la map qui te donne tout, laisse tomber, tu peux plus m'arrêter. Gros, t'es David, je suis Goliath, hein. Il y a qu'un miracle pour que ton bout de caillou, il arrive de ta fronde et qu'il m'arrive dans la gueule. Laisse bête. Eh ouais, mon gars, j'ai eu des cours d'histoire, des cours de légende. On est en train de leur mettre une misère comme ils n'ont jamais vu une telle misère. Gros, cette misère, elle va être marquée dans les annales. Marquée dans les annales médiévaux. Regarde, lui, comme il croit, il est caché, wesh. Bah ouais, mon grand. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Pas de chance. Vous avez perdu la zone C. Vous avez capturé la zone A. Bah ouais, on capture tout. Reprends ta vie, reprends ton endurance. On n'est pas là pour rigoler. T'as du sang. T'as du sang sur le maillot, mon pote. Se dire que tu participes. Que t'es un vrai titan, mon pote. Vas-y, défonce-les tous, on n'a pas que ça à faire, on a plus de temps à perdre, les gars, là. On est là pour les démonter, et ça, à plate couture. Putain, ils ont envoyé la dose, là. Gain de niveau. Putain, sur le coup, là, j'avais vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ok, on a fait le ménage. Et ouais, ils ont plus que le territoire C. Vous avez perdu la zone A. Magnifique, mon pote. Voilà, ça c'est de l'équipe, mon pote. Et on est en train de leur mettre une misère. Comme j'ai jamais mis une telle misère depuis le début de cette bêta. Vous avez capturé la zone C. Ok, il a régénéré son pote. Vas-y, fuis. Fuis, on a tous les territoires là. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Hop là, bah oui. Vas-y, lui il va y passer aussi. Il m'a empêché de faire ma fatalité en plus, cette espèce de bâtard. Vas-y gros, fuis pas, on est trois derrière toi, tu sais que tu vas y passer, même si tu fuis. Tu sais que c'est la fin pour toi, mon pote. Arrête. Regarde comme il essaie de récupérer sa vie, là, comme un pauvre lâche. Voilà. Et là. Encore un pour gagner. Il en reste plus qu'un. Mais non. Regarde, il est là-bas. On va le fumer. Voilà mon pote, c'est comme ça que ça se passe. Bah oui gros, vrai chevalier. Oh, c'est qui m'attaque là? Wesh, j'ai mon allié, il est en train de me faire une deuxième raid du cul. Détends-toi. Et c'est qui le premier? C'est qui qu'on a mis 13 à mort et qui est mort 0 fois gros? Et bah c'est Bibi. Voilà, ah, je me suis vachement jaillé. Gros, ça c'est la partie qui conclut. Alors maintenant, parce qu'il y en a qui n'ont pas envie, simplement que je m'amuse sur le jeu. Je vais t'expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à cette bêta. Bah oui, parce qu'il faut bien que je le fasse un petit peu. Je dirais que le jeu est franchement pas mal. Chivalry, c'est un super bon concept. Malheureusement, il est pas top parce qu'il y a un manque de stratégie et puis il y a une connexion qui fait que s'il y en a un qui en est une moins bonne que l'autre, et bah ça va faire un désavantage et ça va devenir un jeu incroyablement dégueulasse et horrible et qu'on aura envie de chier tous les jours à chaque fois qu'on va le voir dans sa PlayStation. J'exagère peut-être un petit peu, mais je me suis vraiment senti volé en achetant ce jeu. Je dis pas sur PC, je parle vraiment sur console. Mais là, For Honor, pour comparer, il y a une technique à avoir, il y a un réel
travail d'équipe à effectuer, c'est-à-dire que faut surprendre l'ennemi par le nombre. Après, en duel 1 contre 1, ça va aussi avoir une question de notion, de technique, bien gérer ses joysticks, ça sert à rien de bourriner sa touche R2 ou sa touche R1. Bah ouais, je dirais que le jeu, il est pas encore magnifique, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, et puis des fois ça fait un petit peu... un peu sale, je sais pas comment dire, comme s'il y avait des petits points noirs sur l'écran qui font que c'est pas très joli, mais c'est une bêta. Après, les connexions, pour l'instant, elles sont super stables, c'est-à-dire que pendant que le jeu se faisait, etc., ça allait super bien, j'ai pas eu de déconnexion bizarre, sauf une, mais sur les plusieurs parties que j'ai fait, donc quelques heures que j'ai fait, c'est vraiment pas impactant sur l'agréabilité du jeu, donc espérons qu'à la sortie du jeu, les serveurs soient stables. En tous les cas, là, pour une bêta, c'est très respectable. Voilà, pas trop de bugs, je dirais un système de combat à prendre en main, mais qui va amener justement les hardcore gamers ou autres à spécialiser leur technique, et va y avoir des monstres qui vont faire rage-quitter énormément de gens, sûrement comme moi. Et je sais pas si j'achèterai le jeu, peut-être que si le jeu est pas trop cher, je l'achèterai. Pour l'instant, j'ai pas le budget, je me réserve un petit peu pour Outlast 2, comme tu le sais, pour Ghost Recon, parce que j'ai très très envie de l'avoir, et éventuellement sur... J'ai perdu le nom du jeu, putain. Mass Effect, le prochain Mass Effect Andromeda, mais je suis pas sûr du titre. Mais je me... Éventuellement celui-là, je sais pas, il m'intéresse. Bref, c'était un avant-goût, j'espère gros que ça t'a plu. Moi en tous les cas, je me suis bien amusé, la dernière partie c'était du très 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 sale. Et gros, maintenant je vais te dire à tout bientôt pour une prochaine vidéo, et tchii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